En cette période de confinement, le département technique de la CFF souhaite vous faire partager quelques informations sur la philosophie du FestiFoot qui ne manqueront pas, nous l'espérons, d'intéresser les animateurs, les formateurs, les entraîneurs et surtout les parents des jeunes enfants. Lors de la dernière conférence UEFA sur le football de base en juin dernier à Minsk, les représentants des 64 associations membres ont échangé et débattu sur les bonnes pratiques mises en place afin de créer aux quatre coins de l'Europe l'environnement le mieux adapté pour les jeunes enfants, afin de les accueillir, mais surtout aussi de les retenir sur le long terme dans le football. L'environnement FestiFoot développé en Belgique par la CFF a été plébiscité par l'ensemble des participants comme étant l'environnement idéal, le plus fun, le plus positif pour les petites filles, les petits garçons et les jeunes parents. Il y a quelques années, nous avons fait le constat suivant. Les enfants débutent le sport de plus en plus tôt. Le football a cette chance par rapport aux autres disciplines sportives d'attirer beaucoup de jeunes enfants, souvent poussés par leurs parents d'ailleurs. Mais nous constations un grand nombre d'abandons précoces. Pire, les enfants qui arrêtaient le football stoppaient carrément le sport. Plusieurs années d'observation, de réflexion, d'échanges ont été nécessaires pour comprendre et réduire ce taux important d'abandon constaté chez nos plus jeunes. Tout simplement, l'enfant de 5 ans n'était pas prêt au format de jeu qui lui était proposé. À l'époque, l'esprit de compétition entourant les matchs et la pression inhérente à celle-ci, mise beaucoup trop tôt, beaucoup trop souvent par les parents et par les coachs. Voici l'environnement dans lequel les jeunes découvraient le football il y a quelques années, en Belgique, comme c'est encore le cas d'ailleurs. Dans de nombreux pays. Voici désormais l'environnement dans lequel les jeunes enfants font leurs premiers pas dans le football. De l'amusement, du plaisir pour chaque enfant, chaque grand et chaque petit talent. Lequel de ces environnements est-il le plus adapté, selon vous, aux besoins et aux aspirations de l'enfant de 5 ans? Le FestiFoot repose sur 4 éléments essentiels. Les relations, le fair play, les défis et les matchs. L'environnement FestiFoot est idéal pour l'épanouissement des plus jeunes, car il évite tout esprit de compétition et de rivalité entre les enfants, entre les parents, formateurs et entre les clubs. On ne joue pas contre les autres, mais avec les autres. Le FestiFoot, c'est le plaisir de jouer ensemble. L'enfant rencontre d'autres enfants et apprend à jouer avec eux. On ne joue pas contre les autres, mais avec les autres. Raison pour laquelle nous mélangeons les joueurs des différents clubs pour constituer de nouveaux groupes. Si les enfants se font de nouveaux copains, de nouveaux amis, les parents, eux, échangent avec les parents des autres clubs. Tout profit pour la suite lorsqu'ils se rencontreront dans le cadre de la compétition. Le fair play, valeur essentielle du sport, vous en conviendrez. Les enfants apprennent le fair play en même temps qu'ils découvrent le football. Un climat serein et apaisant, tant pour les enfants que pour les coachs, que pour leurs parents.
Quelle joie pour les petits-enfants de faire la hola et de saluer par un high-five leurs parents après le festi-foot. Celui-ci débute par un protocole fair-play et se termine par un protocole fair-play. Les défis sont des situations ludiques, psychomotoriques ou cognitives adaptées à l'âge des enfants U6, qui pour rappel sont en troisième maternelle voire en première primaire. Les défis sont vus comme la récréation entre les matchs 2 contre 2. Ce sont des jeux ayant pour but de familiariser les enfants à la conduite de balle ou à la frappe. Le fun est le moteur du défi, qui développe tant la réflexion, la coopération que la stratégie. Il a pour but de développer davantage de mouvements chez l'enfant, de développer ses habiletés motrices fondamentales, courir, tourner, sauter, pousser, tirer, lancer. Ce n'est pas du foot. Et alors ? En U7, les défis ludiques laissent la place aux défis techniques. Là aussi, la CFF est sortie des sentiers battus. Inspiré du shootout dans le hockey, le challenge est un défi un contre un entre l'attaquant et le gardien de but, qui stimule la prise d'information et la prise de décision chez l'un comme chez l'autre. Le challenge favorise la conduite de balle, le dribble, l'audace, la créativité, la réactivité, la vitesse d'exécution et la finition rapide. L'attaquant décide lui-même de dribbler, de frapper. C'est un apprentissage par essai-erreur. Les formats de jeu, les matchs à 2 contre 2 et à 3 contre 3 correspondent aux besoins et aux moyens techniques et physiques de l'enfant. Ils procurent beaucoup plus d'opportunités de toucher le ballon, de le conduire, de bloquer, de dribbler, de shooter et de marquer des buts. I'ma be real on us, nobody got nothing on us. Cause we all on us, from London back down to the US. We rockin' this contagious monkey business. Tous ces éléments du match 2 contre 2 et du match 3 contre 3 vont renforcer la confiance et le sentiment de compétence chez tous les enfants. Les actions sont intensives, brefs, répétitives, pour une récupération adaptée à l'effort de l'enfant. Tant dans le 2 contre 2 que le 3 contre 3, nous faisons appel au ballon magique. Celui-ci permet de mettre en valeur un enfant qui aurait peu touché le ballon, qui a raté une action, qui est moins impliqué, qui est moins expérimenté, qui est peut-être un peu plus timoré. Ce ballon magique permet à chaque enfant de marquer des buts. Ce ballon magique va initier les enfants aussi à la reconversion offensive ou défensive, moment décisif dans un match de football. Cet outil pédagogique unique en Europe et probablement dans le monde est reconnu désormais par l'UEFA comme la meilleure des pratiques pédagogiques. Quoi qu'il en soit, le festi-foot a fait son chemin et est désormais reconnu dans l'Europe entière. Soyons-en fiers, les francophones de Belgique ont innové. Ils ont repensé l'approche du football et créé l'environnement idéal, accueillant, qui a permis à de nombreux garçons et de petites filles de découvrir le football, d'apprivoiser ce nouveau monde, de s'y adapter, de s'y plaire et d'y rester pour longtemps. L'effectif ne cesse d'augmenter pendant et après les années festi-foot. La CFF s'est montrée innovante, a fait preuve de bon sens en permettant à chaque petit débutant de vivre une première expérience positive. Retrouvez le guide du festi-foot U6 et U7 et le cahier des défis sur www.acff.be. Pour toute question éventuelle, n'hésitez pas. footdebase@acff.be. Nous vous remercions pour votre attention et vous souhaitons le meilleur en cette période délicate.